pas encore ce qui a provoqué l'intoxication alimentaire, monsieur le ministre, les analyses sont en cours. On a beaucoup de pression des médias. Je vous rappelle. Ok, il n'y a plus de poids. Comment ça m'assure? Donne-tu une épi? Il y a deux personnes qui sont décédées. Il y a de quoi de pas normal, là? J'enquête sur deux décès récents dans l'entourage de votre patient. Les itinérants? Ça va, mon chanson? Je suis étourdie. Je me demande si tu fais pas un peu de fièvre. Je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être pas bactérien. Au visuel, les poumons montrent le même genre de lésion à cellules géantes. C'est le même virus. Tabarnak, j'ai mon voyage. Merde. Un coronavirus mortel. C'est hyper contagieux. Si jamais le virus devient capable de se propager d'un humain à l'autre, on pourrait se retrouver avec une pandémie extrêmement meurtrière. Il y a 7 ans, il y a besoin de moi. Voilà, retournez chez vous. Envoyez les patients ailleurs, vous fermez l'urgence. On n'a pas le temps. On est dans une course contre la montre. Quand une maladie commence à se propager dans une population, on a une toute petite fenêtre de temps. Si on la rate, on se dirige vers une catastrophe.